le mot génie est un petit peu dangereux. On pourrait croire que c'est une personne isolée, donc il est en contact avec toute une communauté. C'est comme si on disait que Zidane est un génie du foot. C'est un génie du foot, mais ça s'appuie sur une structure, des clubs, des entraîneurs, etc. Donc pour Lagrange comme pour tous les autres, c'est pareil. Et ce qu'on lui doit, c'est, je pense, des outils de l'analyse qui s'est développé à sa période, qu'il a su adapter dans les domaines de la géométrie et de la mécanique. Un mathématicien, c'est pas, comme je le disais, il est enfant de son temps. Donc Lagrange, c'est un fils des Lumières, il est en contact avec tout un tas d'encyclopédistes, et on peut dire qu'il n'a rien écrit en philosophie, mais il était quand même en contact avec les milieux de la chimie notamment, et il a certainement eu une incidence sur des gens comme Lavoisier, et en ce sens on peut parler, je préférerais peut-être plus l'expression savant philosophe que mathématicien philosophe. C'est le mode de communication principal au XVIIIe siècle. Par exemple, là, il y a un colloque d'histoire des maths à Lumini, et quelqu'un qui travaille sur Euler, il a un corpus de 3163 lettres, à plus ou moins de près, d'Euler à un certain nombre de correspondants. Donc les savants correspondent entre eux par le biais des lettres. Donc, le XVIIIe siècle, c'est le temps des correspondances, des lettres. Au XIXe siècle, c'est la naissance des journaux spécialisés en mathématiques. Pour donner rien qu'une idée, au début du 19e, il y a un journal de recherche mathématique. À la fin du 19e, il y en a des dizaines. Aujourd'hui, il y en a des centaines. Ils sont à l'étage de cette bibliothèque. Donc le 19e, c'est le temps des journaux. Et à la fin 19e et au 20e siècle, vont se développer les séminaires et les congrès internationaux. Et le CIRM en est l'émanation. Donc c'est un ancêtre assez direct de ce mode de communication. Les historiens des maths sont toujours très prudents sur rupture continuité, le avant et après. Lagrange n'est pas isolé, il s'inscrit dans il y a des moments de continuité, il n'est pas le seul à travailler sur ces sujets. Même si c'est un nom fédérateur, il ne faut pas se focaliser sur les grands noms uniquement. Il faut aussi voir tous ces réseaux de correspondance, d'échanges qui font progresser les mathématiques. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire un avant et un après au sens global, mais sur certains thèmes précis développés par Lagrange, sans doute. Par exemple, sa façon de faire de la mécanique. La plupart des publications mathématiques aujourd'hui, quand on cite des résultats ou des textes, c'est ce qui a été publié souvent les 4-5 dernières années. Cependant, certains mathématiciens vont voir plus loin et chercher des idées, s'imprégner de certaines choses. Je pense par exemple à certains types de travaux, des travaux de Lagrange au niveau des équations algébriques. Après, il y a eu Galois, le mot aussi fait tilt. Donc certains chercheurs, comme Annick Valibous par exemple, ont relu Lagrange dans le texte pour s'inspirer de certaines choses et pour bâtir leur travail à partir de ça. Ça, c'est tout ce qui tourne autour d'un terme technique qu'on appelle les cordes Galois et que je ne vais pas expliquer. Alors, vous savez, il y a différentes choses. Bon, je pense que tous les mathématiciens connaissent Lagrange, même s'ils n'ont pas lu Lagrange dans le texte. Il n'y a qu'à voir tous ces travaux. Donc, cependant, le grand public, en fait, connaît les mathématiques par les théorèmes qui portent un nom, qu'il rencontre dans sa scolarité. Pythagore, Thalès, pour reprendre des termes de collège. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le grand public a souvent une vision un peu figée des mathématiques, pensant que les maths, c'est le temps des Grecs, et puis depuis, il ne s'est plus passé grand-chose. Évidemment, c'est entièrement faux. Et le nom de Lagrange, on le retrouve dans les études scientifiques à l'université, donc il arrive déjà très tardivement. Et puis, il n'a pas forcément la même inscription que certains autres savants, comme Poincaré, qui était un petit peu dans différents milieux, dans différentes connaissances des milieux politiques, etc. Donc, tout peut dépendre du nom du savant dont on parle. Il est méconnu, mais les journées du 18 et 19 vont faire connaître un peu plus M. Lagrange. Il y a très peu de rencontres comme celle-là. Il y en avait une à Paris il y a 2 ans à propos de Galois, parce que c'est des milieux qui ne se fréquentent pas forcément. Donc là, à partir d'un thème fédérateur, Lagrange et de M. Lagrange, on va finalement exposer le plus clairement possible qu'est-ce que c'est que faire des mathématiques aujourd'hui, en s'inspirant pour les mathématiciens des travaux de Lagrange, et qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire des mathématiques.
Et donc, il n'y a pas que Lagrange, mais Lagrange, c'est un peu le mot-clé qui va nous permettre d'entrer, c'est un point d'entrée pour faire comprendre ce que c'est que l'histoire des maths et ce que sont les mathématiques dans leur grande diversité.